beaucoup de boîtes perdues ce soir. On va dire un point pris si on voit le dernier 10 mètres qui n'est pas goal à 20 secondes de la fin. Mais sincèrement, je pense que ce soir, c'est deux points perdus quand on voit le nombre d'occasions qu'on se crée et qu'on ne maîtrise pas. Match plein en tout cas, un super match. Les supporters neutres, ils ont vu un beau spectacle ce soir, je pense. Oui, je vous dis que c'est un match plein si on avait ramené 3 points à la maison. Donc pour moi, c'est pas un match plein. On peut être déçu aujourd'hui du 3-3, même si je dis ok avec les 10 mètres dans les 20 dernières secondes, on peut s'estimer peut-être un peu chanceux. Quoique pour moi, bon, la faute est très légère sur le 10 mètres. Mais on doit regarder dans notre assiette. Et notre assiette, c'est concrétiser les occasions qu'on n'a pas fait assez aujourd'hui. L'état d'esprit, bah, on est sur la même prolongation qu'au week-end, je pense, ce soir. Ou même un step plus haut, peut-être. Non, pas un step plus haut, on continue d'avancer. Voilà, c'est comme je l'aurais dit, c'est un point qu'on a pris chez un concurrent direct. Il faudra gagner la confrontation chez nous et on les mettra derrière nous si on gagne la confrontation directe. Non, je connais pas encore l'autre. Et il nous reste maintenant ici une trêve internationale, donc on va en profiter pour s'entraîner, faire un match amical et essayer de cramer des automatismes. Mais voilà, oui, je pense que les joueurs ont fait le match qu'on attendait d'eux. Il manquait vraiment la concrétisation ce soir. Un joueur a retiré du lot ce soir ou pas? Non. Je sais que tu n'aimes pas trop ça. Non, j'ai pas de joueur à retirer du lot. C'est de nouveau une prestation collective. J'ai réveillé 2-3 joueurs à la mi-temps qui pour moi ne m'apportaient pas assez sur la première mi-temps. Je prends l'exemple de Walid et quand je vois qu'on est appuyé sur le goal directement en deuxième mi-temps, ben justement c'est la preuve qu'en l'esprit un petit peu, ils savent m'amener le plus qu'on attend d'eux. Je ne vais retirer personne aujourd'hui, encore une fois c'est une prestation collective, mais collectivement on va mettre beaucoup plus de goals aujourd'hui. Le coup franc, le 10 mètres, le but annulé. Toi, tu décortiques la face, tu vois, il la touche ou pas? Le but annulé, le gars ne la touche pas, donc à partir du moment où c'est un coup franc direct, le but est annulé. Voilà, et après le 10 mètres raté, bon, ben, le gars ne cadre pas la frappe, je ne vais pas lui demander de la cadrer. Oui, le prochain match, donc, c'est la trêve, et puis après, on va en déplacement, je pense. Donc le prochain match, on va à Charleroi. Un gros morceau qui reçoit 7. Donc je vous dis que c'est deux cadeaux qu'on va affronter maintenant. Mais on sait que la D1 c'est une série qui est hyper relevée et qu'il ne faut rien lâcher sur un match. On a montré contre Bruxelles, contre Anderlecht qu'on était capable de le faire. On montre ici et je dis voilà, je pense qu'on va aussi apprendre à monter en puissance. Tu seras d'accord avec moi si je dis qu'il n'y a pas de petite équipe? Aucune petite équipe, absolument pas. Moi tu es satisfait ce soir alors? Pas du tout, si quand même. Pas assez satisfait. Pas assez. J'ai préféré faire les kilomètres retour avec 3 points. Mais c'est le match. On ne saurait pas changer ce qui s'est passé. Il faut juste continuer à travailler et aller de l'avant. Le travail, on va dire, commence à payer. Parce que un match comme ça, au tout début du championnat, le premier match, moi j'ai référence au premier match, tu l'aurais perdu. La motivation, la rage des gars en deuxième mi-temps, on l'a vu, la différence. Peut-être des fois des matchs se jouent sur des détails, mais aujourd'hui quand on rate autant d'occasions, ce ne sont plus des détails pour moi. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Merci Chris. Merci.